veye en haut, veye en bas. Dans jour gen pou vin la yo papa haïtien, gen des marches pou pral chavire. Veye en haut, veye en bas. Pas oublier plateforme Polan qui c'est plateforme YouTube Info Betoa, et mais justement, c'est plateforme ça cap kembe ou informé sur tout dossier cap dominé bil peuple haïtien et pays d'Haïti pour son bito. C'est Ronald Richmond, justement, li voye yon invitation by ancien sénateur Richard Lenning avait Foucan suite avec justement sanction que le Canada, les États-Unis d'Amérique, et bien justement, prend compte, sénateur Hervé Foucan, et bien, commissaire Richmond, pour trouver que l'extrêmement important pour t'attendre, ancien sénateur. Là. Et bien justement, papa ici dans le cadre de ça, il y a une pile question qu'a posé, il y a une pile parole qu'a posé, il y a une pile monde qu'a dit. Mais justement, commissaire Richmond, il y a une question dans taille. Commissaire gouvernement, mettre l'action publique, et bien justement, qui commence à prendre disposition là pour le tenir des mounes, surtout qui dans le département par là, que OFAC, une institution américaine, justement sanctionnée, elle saisit bien avec la loi. Je ne vais pas nous mentir, il y a un pile causé, il y a un pile qui a sauté, il y a un pile monde qui a dit, est-ce que le sénateur là, prend le paquet, est-ce qu'il a tourné? Est-ce qu'il a tout Kimberly? Est-ce que la politique rentre la Kaili? Ça, c'est des questionnements. Dans le cadre de mission, ça, nous parlons de ça ensemble avec vous. Nous parlons de commissaire Richmond ensemble avec vous. Puis, il y a pile d'informations qui arrivent à nous. Mais justement, il était pour nous confirmer pour que nous partagions ensemble avec vous. Et mais, quelque part, depuis que ce n'est que vous sanctionnez, surtout pour ne que vous épinglez comme des drug dealers, mais justement, pas le petit problème. Et 28 décembre, là, selon le Royaume-Uni, et bien, garantis-nous, la République va chavirer tête en bas parce que la République sur route pour qu'elle change. Groupe criminel, sur route pour qu'elle prenne code. Groupe criminel qui a fait business pays, pas qu'a fait business pays encore, je dis, c'est là pour que diaspora haïtienne rentre dans le pays, vienne faire business. Parce que, depuis que c'est là qu'a fait business pays, que blanc sanctionné, et bien, justement, il va interdire pour faire business même dans le pays, même pas même à l'étranger. Ka grave, oui, papa haïtien. Côté sénateur, oui, côté sénateur Lambert. Et bien, justement, papa haïtien, monsieur, pas qu'à parler. Yo pas qu'à parler, et me garantis nous, c'est confirmé, moi confirme ça pour nous. Yo pas qu'à parler, yo pas qu'à droit parler. Depuis yo parler, américain du a vinn prend yo papa haïtien dans la coupe d'Haïti. Pour être la grave là, c'est gros cause la République soude pour changer. Pour ça plutôt comme peuple. Tout point ça yo, nous pas capable négliger yo. Nous pas qu'à négliger yo. C'est des parenthèses que yo pas qu'à négliger. Mais sauf que li important pour que nous continuons avec analyse yo, pour aider la population, hein, quelque part, comprendre yon série de bagaille dans l'invitation, hein, ou du moins, une idée de ça qu'a fait là, pour nous attendre résultat, ou du moins, pour nous boucler, analyse nous, hein, à partir de 20 décembre, blanc, qu'a vin là, l'heure que Richmond arrive dans le paquet au Kaila. Mais sauf que me dit nous, toute parenthèse que nous évoquons là, yo, N'ap kembe yo, sak pou tombe ap tombe le 20 décembre. Sak pou rete, y ap rete le 20 décembre. Et ça nous kembe yo, nous allons continuer avec analyse yo. Et nous allons dire exactement tout de suite qui est ce Walmart encore, peut pas ici. Parce que quand que ça passe, je dis ya dossier Abel. Et dossier Abel, li intéressant. Et pour que nous continuions faire suivi de dossier ça, extrêmement important. Bataille la continue. Moi, honnêtement, son responsabilité que nous gagnons pour que moi aide nous comprendre ce qui a passé. Son responsabilité qui est liée. Et son responsabilité qui est liée. Ok? Et bien, papa nous menti. Bataille qui gagne là, il n'est pas petit du tout. Bataille qui gagne la li pa petit du tout. Et c'est chaque grand haïtien qui doit mettre tête yo bien placé sous épaule yo pour que yo capable de comprendre la réalité ça. Parce que évidemment, de ces sanctions, moi dis nous ça honnêtement. Pe ka pièce haïtien prend de ces sanctions à la légère. Du tout. Pas prendre pour blague. Pas prendre pour jouette. Prendre pour ça que lié. Ok? Sanctions pas jouette. Et la paix des pays en pile, papa ici. Mais j'espère que nous comprenons. J'espère que nous comprenons. Sans tout ça, la paix des pays en pile. Mais pour aider les pays vraiment, il faut qu'ici tant de info bientôt. Il faut que diaspora ici mette en application ça info bientôt dit. Parce que je garantis nous. Link que nous est là. Bataille que nous avons là,
Si chaque d'entre nous assume responsabilité nous, nous garantissons nous sommes capables de vivre loin avec bataille ça. Oui, nous sommes capables de vivre loin avec bataille ça. Et m'a encouragé nous continuer fouiller zone kalalo. Zami nous qui à l'étranger, surtout pour ça qui États-Unis d'Amérique. Continuez partager éléments d'information que vous avez ensemble avec nous. Alors dossier ça n'a pas suivi. Après midi avec des informations qui capable évoluer. M'a prévenu nous informer dans cadre dossier ça. Nous allons passer avec avocat sénateur Guy Philippe que nous connaissons qui est en prison aux États-Unis d'Amérique depuis 6 l'année. Nous prenons le temps de. Alors, avocat, sénateur Guy Philippe, qui a fait quelques déclarations. Il est important pour qu'il nous donne et dans l'émission. Il n'y a pas jamais ça. Liberté, c'est prendre ça dans tout pays dans le monde. OK? Il n'y a pas jamais faire cadeau de liberté. Son responsabilité pour chaque gagnant nous camper pour une bataille. Et. M'attendais avec un peu l'attention, un avocat que Guy Philippe a dans le pays d'Haïti, qui a pris des démarches depuis plusieurs années, et pendant le sénateur en prison. Et justement, qui vient avec une bonne nouvelle. Mais justement, est-ce que c'est la vérité? Eh bien, entendre avec les oreilles, nous, il est important. Et puis, nous-mêmes, nous tournons tout de suite. En avance. Avocat, sénateur Guy Philippe, qui a annoncé une nouvelle ça, que sénateur Guy Philippe pour sortir 6 ou 7 janvier qui pour venir là. Nous demandé si c'est vrai. C'est gros cause. Nous avons content en pile. En avance. Comme nous l'avions dit tantôt, à travers les médias et à travers les réseaux sociaux, nous te promettons ça. Nous te disons, sénateur Guy Philippe, va rentrer dans le pays très bientôt. Il y a pile de monde qui bat jambe croix. Et il y a pile de monde qui te dit que il a arrêté sénateur Guy Philippe, c'est pour une question de drogue. Ce que nous autres avocats, que nous te démenti, et nous te venons avec toute preuve pour nous te prouver que sénateur Guy Philippe te prend dans un complot. Et je dis, à travers pétition que nous t'ai écrit au niveau OEA, au niveau de l'ONU, nous avons même écrit protection citoyenne, yon bat ba nous réponse. Jodi an OEA répond nous très positivement. Côté que yon ba l'État haïtien, yon ba l'État américain 90 jours pour yon vina avec preuve tangible qui fait que yon te arrêté Guy Philippe, enlevé lui, séquestré et déporté vers les États-Unis. Et nous autres avocats nous avons toujours dit la défaite du droit est provisoire. Et très bientôt, après 90 jours, depuis que le fin est expiré, que OEA lui-même lui prendre des décisions pour lui demander non seulement l'État haïtien, ce que nous autres avocats que nous avons fait déjà, nous demander l'État haïtien pour dédommager le sénateur Guy Philippe. Et à travers la décision OEA se prend là, ils ont demandé les États-Unis, non seulement pour mettre le sénateur en liberté immédiatement, et ceci pour dédommager le sénateur. Et très bientôt, au cours du mois de janvier, nous pouvons le déplacer, nous venons avec le sénateur, sain et sauf pour nous continuer la bataille, nous t'apprenons dans le pays. Est-ce que vous pensez que le sénateur est rentré là, il a toujours été candidat au Sénat, comment, à quel niveau la paix? Écoute, à travers le parquet tribunal civil, Jérémy n'a pas eu aucun plainte. Nous avons un certificat dans au niveau de la DCPJ, il n'y a aucun plainte qui peut être contre le sénateur. Même au niveau parquet de Port-au-Prince, il n'y a aucun plainte qui peut être contre le sénateur. Songez bien de dire, sur l'administration de Privert, mais il faut monter un complot pour enlever le sénateur. Parce qu'il a estimé que, dans le niveau que le sénateur Guy Philippe a monté, dans le niveau que le sénateur Guy Philippe a fait politique, il faut qu'il y ait un kembel. Et je dis, nous avons toujours dit, la défaite du droit est provisoire. Je dis, la décision de justice là, est en faveur nous. Et nous allons continuer à mener la bataille là, au niveau tribunal de première instance de Port-au-Prince, afin que le sénateur ait une justice que nous-mêmes nous avons demandé pour lui. Écoute ceci. OEA qui c'est organisation État américain. Haïti c'est un pays membre. Les États-Unis sont pays membre. Si eux-mêmes, dans l'examen périodique, ils prennent une décision. Et décision que vous prenez sont des décisions qui sont irrévocables. Nous sommes demandés pour mettre M. en liberté. Et vous demandez pour dédommager M. Pendant 6 ans que M. fait passer dans la prison aux États-Unis. Donc, pas bien à sortir de là. Songez bien, m'a prédit nous-mêmes, bagarre encore. La justice élève une nation. Il n'y a pas de société sans loi. Automatiquement, que vous estimez que l'ordre était manifestement illégal, c'est tout à fait normal, je veux dire, qui était causé client préjudice, c'est tout à fait normal pour demander pour dédommager client. Mais est-ce que vous avez une liberté provisoire à l'autre bord, sinon toujours en dit la prison? Oh, il y a une liberté provisoire. Et le 6 janvier,
Le 6 janvier, nous avons tous les documents qu'on a mis déjà. Le 6 janvier, il a mis Guy Philippe en liberté. Et le 7 ou 8 janvier, le sénateur Guy Philippe a rentré dans le pays. Et ceci, n'a pas entré avec lui et n'a pas continué à mener la bataille. Et je dis là, nous avons une situation côté que le pays n'a pas dirigé. Il n'y a personne qui a fait rien pour le pays. Matin, on va pas de ma finir là. Je prends un bloc qui sont près de 2 heures de temps. Pour qui ça? Parce qu'il y a pas de gaz. Sous prétexte que pas de gaz, il y a de gaz encore. Pour y remonter de gaz. C'est parce que nous n'avons pas de dirigeants. Nous n'avons pas de monde qui a pensé pour nous. C'est pour l'une des raisons. Après retour, sénateur Guy Philippe, nous allons continuer à mener la bataille pour nous essayer de changer. Non seulement. Moun qui était autodéterminé, qui était voté sénateur là dans le grand sens, mais aussi changer la situation moun qui a vu à travers 10 départements pays. Si l'État supposé dédommager le sénateur, sous qui forme, pour dire ça, est-ce qu'il se il peut être comme sénateur. Écoute. Prestation de serment son protocole. Effectivement. Et nous t'es clair. Nous t'es dit, au regard de notre constitution, au regard de l'article 247, dis nous clairement. Au cas où élection organisée en État, sénateur ou député qui élu automatiquement que KEP a délivré le certificat, lui automatiquement sénateur, lui entré en fonction. Lui pas besoin pour le prêter serment. C'est-à-dire que sénateur Guy Philippe automatiquement débat résultat, lui est entré en fonction. Donc, prestation de serment, c'est un protocole que lié. Je dis, si lui-même lui pas exercé droit, c'est l'État haïtien qui t'a enlevé. Si l'État haïtien t'a enlevé, donc il doit le salaire, frère, émolument et tout autre avantage que un sénateur doit jouir en tant que sénateur de la République. Donc, sénateur Guy Philippe, c'était un sénateur en fonction de l'État. Un sénateur en fonction. Et je veux dire, je crois que dans la bataille que nous allons faire contre l'État, nous sommes dans l'échange d'écriture que nous avons avec l'État. Je t'ai même fait nous croire que Haïti a signé un accord avec les États-Unis, quand on a déporté tout Haïti. Et je dis clairement. Et pour tout le monde qui a déporté illégalement dans le pays. Et ceci, je joue des ministres vers eux, je joue des substituts ou des commissaires vers eux, pour ça, nous pouvons faire action. À quoi que Préval ait signé avec Mme Albright en 1997, il n'a pas dit que y a déporté un Haïtien. Il a dit seulement clair, pour aider les États-Unis gourmet contre trafiquants de drogue, les États-Unis qui ont intervenu seulement en haute mer. Et ceci, il faut qu'il y ait flagrance. Est-ce que vous avez arrêté le sénateur Guy Philippe sous la mer? Est-ce que vous avez qu'un sénateur Guy Philippe en flagrant délit avec drogue dans la mer? Nous voyons que c'est nos émissions qui ont été sorties à travers Radio Scoop et puis sorti, nous n'avons pas pu mettre sous lit. Je dis, regardez l'article 8-1 Constitution, article 41 Constitution, il dit que pas grand que Haïtien qu'on a forcé pour déporter pour quitter le pays. Sous aucun motif. Et là, aller plus loin. Il dit quel que soit accord, traité, convention que Haïti a signé avec le pays, il n'y a pas qu'à placer au-dessus de la Constitution. S'il place au-dessus de la Constitution, il est nul et de non-avenu. Merci. À fond. Monsieur, bonjour. Bienvenue. Et justement, c'était avocat et sénateur Guy Philippe que nous connaissons, que le gouvernement Jocelyne Briverlan, en 2016, qui était comme ministre de justice, Camille Edouard Junior, qui a organisé là pour que vous vengez Guy Philippe et sous ça que Guy Philippe a fait au passé comme la valasse. Ça, c'est son vengeance lié. Et moi-même, Guy Philippe n'a pas jamais fini par être clair. Il n'a pas jamais fini par être clair. Tout le monde, ouais, quelque part, il y a un abus qui a fait dans le cadre de ça. Je n'ai pas vraiment, alors, je n'ai pas vraiment envie de parler dans le cadre de ça, mais effectivement, Napton, et Jean que citoyen dit Napton, le 6, alors 7 pour 8 janvier, qui vient là, et pour nous, qui s'est dit dans le cadre de ça. Li important. Mais sauf que nous-mêmes, nous avons fait un calalou tout pour nous connaître effectivement qui s'est passé dans le pays, dans le jour pour venir là. Et régime de sanctions. Le Royaume-Uni a annoncé la couleur, ou pour ajouter l'information, tout à l'heure comme ça, dans le cadre d'émission. Et faut bientôt à l'appareil. Moi-même, je vais vous rendez-vous tout à l'heure comme ça, quand pile parle qui va parler avec l'invité qui nous parle. Qu'est-ce que là? Moi-même, je vais vous rendez-vous.